Hey, 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 coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. Notre petit couple, Hélène et Lionel, et leurs quatre filles. Oui, vous étiez quand même déçus puisque c'était une dernière petite fille qui est venue. Et là, elle pleure et c'est pas. Du coup, c'est Laura qui est pas contente. Ouh loulou, Hélène, va falloir que tu viennes parce que. Ah, mais c'est Arthur qui essaye de squatter. Il va faire peur à la petite, regardez-moi ça, il va bien. Je crois qu'elle aime pas trop être dans les bras d'un fantôme, hein, ça. En tout cas, Hélène est on the way, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Toi, t'aurais faim aussi un petit peu. Ah, est-ce que tu pourrais pas aller manger? Mais t'avais pas mangé? Oh là là, ça y est, ça commence déjà à tout casser dans ma baraque. Tu vas revenir manger un truc là, Laura, comme ça c'est fait, tu casseras pas les pieds. Pourquoi Lionel est debout? Excusez-moi. Juste mon jeu, il a envie de ramer un petit peu. Ah, mais Lionel, il a eu. Oh, regardez l'instinct paternel. Chuchez pas, moignon, tout ça. Allez, tu vas discuter avec ta fille. Tu vas lui donner le nini, le chonchon. Tu peux retourner là-haut. J'avais pas vu sa médaille d'ailleurs. Cœur de la bravoure. Environnement 3. Eh, hey, c'est pas mal. T'es crevé, Lionel, donc tu peux être couché. Je sais pas s'il bosse. Non, il bosse pas, il est bien en week-end, tant mieux, parce que ils vont aller guincher ce soir. Nous sommes samedi soir, nous sommes dans les années 80. Et dans les années 80, c'était cool d'aller guincher. Donc, eh bien, quand tout le monde sera bien requinqué, et samedi soir, on appellera une nounou. Et avec, j'allais dire Anaïs, non, avec Hélène et Lionel, on dira danser. Tiens, tiens. Marguerite est de sortie. Oh là là, mais hé, il est 2 h du matin. Tu me fais quoi là, Esther? Non, 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 non. Non, bah non, bah non, tu vas te coucher. Mais qu'est-ce qu'ils ont là aujourd'hui? Je pense que ça va être une journée sympa. Hein, ils vont m'en faire voir toutes les couleurs. Et lui? Mais. Dodo? Hein? Dis donc, t'es un grand garçon, fais pas une sieste, hein? Faut dormir, hein? Regardez-moi comment il est fin et musclé. Oh là là, c'est flippant limite. L'Hélène? Mais il fallait coucher la petite! Qu'est-ce qu'elle fait encore debout? Oh, bah, elle s'évanouit. Bon, d'accord, super. L'Hélène mange parce que tu devais manger ton sandwich là et après tu y retourneras te coucher. Excusez-moi, j'étais derrière les meubles. Et après tu iras au lit. Mais non, pas prendre dans les bras. Oh, je vous jure, ça m'agace ce bug qu'il y a tout le temps quand je clique sur dormir. Eh bien, ils font le petit enfant. Youm, d'accord, ok, très bien. Bon, en tout cas, Marguerite et Arthur sont sortis cette nuit. Voilà, je ne sais pas ce que Marguerite va faire. Est-ce qu'elle va inspecter le jardin? Ah oui, parce qu'elle était très impliquée dans son jardin aussi. Hein. Bon, jardin de Pierre-Nard, mais jardin quand même. Oh là là, Marguerite! Elle est toujours aussi tarée, hein. Voilà, bah super. Bravo pour ta descendance, hein. T'es au top. Et lui, il se plaint que c'est sale alors que c'est lui qui a tout cassé. Les fantômes. Et c'est bientôt l'anniversaire d'Anaïs. Donc, elle devrait grandir. Bon, je pense pas aujourd'hui, hein. Mais bon, j'ai bien compris que vous vouliez qu'elle soit au moins rousse, mais ça. Vous savez que quand vous voulez quelque chose, le jeu, il ne vous la donne pas. Donc, soyez pas trop gourmand. Oh, Anaïs, tu sais que tu commences à être relou. Et si elle est relou, c'est qu'elle est blonde. On verra bien. Oh! Ça va, Hélène, elle vient juste de descendre. Mais qu'est-ce que tu. Tu vas pas faire la poupée? Qu'est-ce que tu me fabriques? Oui, on sait que toi, que tu vas râler. Joue à la poupée, tiens, ça va te calmer les nerfs. Pendant que Anaïs est en train de hurler de tous ses poumons. Elle veut être sûre qu'on l'entende, mais ne vous inquiétez pas. Les voisins de l'autre côté de la rue, ils l'entendent, hein, ça. Métier qui voilà, c'est pas l'inspecteur Gadget, c'est Geneviève. Parce que la dernière fois, je l'avais pas relooké pour la décennie. Et cette fois-ci, eh bien, j'ai pris le temps. Donc, c'est bien, tu vas pouvoir discuter avec ta sœur. Et ouais, elle a été relookée vraiment bien dans les années 80, quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup son look. J'ai forcé sur le rose parce qu'elle avait un nœud rose dans les cheveux. Donc, on comprendra le comment du pourquoi. Et voilà. Oh ben Eva, elle a fait ses devoirs, mais qu'elle est mignonne, cette petite. Et voilà, ça c'est du style, hein, les enfants. Oh, mais c'est la journée des visites! Vous la reconnaissez pas?
Mais c'est Chantal! La Chantal, elle aussi, elle a été relookée! Mais oui, tu vas raconter une histoire dramatique, tu vas l'inviter à entrer! Parce que bon, voilà, les sisters sont de passage, c'est cool. Alors, regardez-moi, elle a un peu le look un peu jeune fille qui sort du lycée, hein, mais bon, on est. Comment ça va, Hélène? Mon Dieu! Pourquoi il a une couronne à la Jésus, lui? J'ai vu que tu avais fait le buzz récemment. Ah, d'accord, ok, très bien. Il me fait peur, lui. Serge appelle pour discuter. Oui. Alors, Lionel a arboré une magnifique tenue. Hein, mais... De qualité, hein? On est d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est là, lui? Mais c'est pas possible, là. Alors, c'est tonton? Non, demandez un petit prêt, qu'est-ce que je raconte? C'est tonton, hein, c'est le frère de Raphaël. Donc, les filles, vous pouvez aller lui dire bonjour à tonton. Et à Tati Chantal, bah, vous la connaissez pas. Donc, écoutez, ce sera l'occasion de discuter. Il y a un peu toute la famille, hein. Il n'y a pas d'événement particulier, on est samedi, mais là, tout le monde passe. Donc, bon, pourquoi pas, après tout. Ça a failli être le père de nos filles, hein, mais... on a préféré le frère qui nous a fait faire bien des sueurs froides, hein, parce qu'il avait été faire crac-crac partout. Mais bon, voilà, ce qui est fait est fait. Bon, c'est mignon tout ça, mais Lionel, il y a ta fille qui pleure. Oh là là, Naïs, elle a le cul sale. Allez, mon petit Lionel, c'est à ton tour de mettre la main à la pâte ou au caca, hein, tantôt qu'on y est. La main au caca, c'est normal. Voilà, elle va mieux la chouquette, tu vas lui parler, tu vas lui faire une grimace. Pendant que elle, eh bien, la monstrosette Laura. Laura, tu t'as fait pipi et t'as faim. Alors attends, on va te faire manger avant. L'Hélène, laisse manger ta fille. Tu vas laisser ce sandwich pour ta fille. Qui c'est quoi? Non, Nadine. Ah, Nadine! Palais raffiné pour Hélène. Toi, tu vas venir manger ça. Et toi, tu vas faire, je ne sais plus. Bon, Daichi, il est toujours pas levé. Ah si, il est là. Je sais plus ce que je voulais faire avec elle, mais c'était pas grave. Tant pis. Bah, Daichi, je t'ai expliqué qu'il fallait mieux que tu répares avant de t'astiquer, parce qu'en plus là, tu vas avoir une petite fille toute nue. Je suis pas sûre que ça plaise, ça, hein. Lionel qui marche au pas avec son parapluie. Si c'est pas magique ça. Il est trop mignon. Alors oui, vous êtes divisé au niveau de la coupe de cheveux de Lionel, mais en même temps, on est dans les années 80. Les années 80, c'est la coupe mulet. Et moi, je trouve que il est parfait dans l'ambiance. Évidemment, il y a une connexion avec Billy, hein, The Stranger Things et Billy Hargrove, The Best, The One, le plus sexy. Graou, graou. Eva est entrée dans une phase difficile pour la nourriture. Ouh, qu'elle commence pas à faire ses humeurs, elle, parce que ça aura pas duré, hein. Et ben voilà. C'est bien ça, Esther. Elle a été toute seule jouer à la borne d'arcade. Ah, oh bah déjà, t'es déjà blasée? Ma pauvre petite. Et ta sœur? Vous ferez pas. Ah bah, elles vont discuter. Mais Esther, dans ce cas-là, ma biche. Putain, mais des fantômes, ils m'ont tout cassé. Tu peux faire tes devoirs? Du coup, comme ça, au moins, tu feras quelque chose de ta vie. Surtout profiter, hein, d'être là. Un jeu multijoueur, frénésie des fêtes avec la petite Eva, avec ta sœur. Profitez de la cave, quoi! C'est un peu le meilleur endroit de la maison en ce moment, donc franchement, profitez-en, les petites. Moi, je suis désolée, Hélène, tu vas devoir couper court au bain. Ou pas, parce que t'as Anaïs qui pleure pour changer. À moins que. J'allais dire Billy. À moins que Billy ait fini de marcher. Oui, il est fini de marcher, tu vas rentrer au bercail. Tu peux rentrer à la maison? T'es pas à la maison, là. T'es en face. La maison, elle est là. Du coup, tu peux venir. Oui. C'est ici, il faut que je zoome. Attention, déjà, venir ici, ce serait bien. Et tu vas nourrir ta petite fille, lui parler, lui faire des petits mamours. Ah bah! L'Hélène! Mais qu'est-ce qu'elle a fichu? Ah bah non, elle avait fini de laver la petite. Mais c'est pas à toi de faire les ordures, ma belle! C'est pas à toi de faire les ordures. Va aux toilettes si tu veux. D'accord. Oui, tu vas aller danser après. Il est quelle heure là? 19h? Oui. Ouais. Vous allez aller danser. Il n'y a pas de souci. Et elle? Voilà.
Les bambins, à quoi ils nous réservent notre sort à jouer dans les chiottes? Ça, c'est franchement. Hein. Là, je vous le fais découvrir parce que bon. En général, je les laisse pas faire. Mais bon, voilà. Saleté! Bon, finalement, il n'y a que Esther qui joue à la cave. Parce que sa sœur l'a laissé tomber. Eh ben, il faut pas s'énerver comme ça, biche, hein! Sur la mini-télé cathodique, ça me fait tellement rire. C'est tellement bien. Elle est tellement cool, cette cave! J'aimerais trop avoir la même, bon sang. Bon, ma biche, tu vas faire un petit câlin à ta fille, tout ça. Tu vas nous appeler de nounou. Parce que bon, même si on peut les envoyer au terrain, je sais pas quoi, là. Non, à la garderie, excusez-moi. Tu vas quand même acheter un service. On va appeler de nounou. Dans notre tête, on se dit, voilà, on peut, à partir des années 80, moi j'en profite. Et puis après, vous allez sortir en te bois. Donc, service de nounou. Oh là là. Hein, t'es jolie, t'es sexy, ma Lélène. Tu commences à être un peu fatiguée. Ouais, 21h, non, mais ça va être l'heure parfaite pour aller un te bois. Voilà, les nounous vont arriver. Après, elle va pas arrêter d'harceler nos gamins toute leur vie, mais bon. Vous allez pouvoir sortir en boîte. Oh, oh ma Lélène, qu'est-ce que tu es belle. Oh, tu es la plus belle. Tu es la plus sexy. Oh, et puis le jeu, il a envie de ramer. C'est génial, tu vas pouvoir la draguer. Ah, non, j'ai cru que c'était la nounou, mais c'est que Daichi. Ah, bah dis. Ce n'est pas une nounou, mais un nounou. Tu vas. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, bah, il rentre tout seul, oui, de toute façon, voilà, il va s'occuper des enfants. Bon, vous nous faites rien, parce que nous, on a quatre filles, alors si vous faites des trucs avec nos filles. Karim, ok. Eh bien, écoute, bienvenue, mais alors il a l'air motivé, mais quelque chose, hein. Bon, allez les amoureux, on est parti pour aller en boîte. Et nous voilà. Ouais, on est donc à Wildenburg, à la boîte de nuit, les bras de Narval. On a tous les gens qui commencent à arriver, il vaut mieux. Et non, vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas. L'Hélène a mis une tenue de ouf. Une tenue de lumière. Bon, tu gâches tout. Oh, des petits trous. Mais vous êtes trop cute. C'est les amoureux, hein, c'est quand je disais qu'ils sont amoureux. Hein. Regardez-moi, l'Hélène. Ce look tellement parfait que tu as. Ah là là. Si t'étais pas déjà avec Lionel. Il se passerait des trucs, je pense, avec d'autres. Hein. Tu te ferais tellement draguer, ma belle. Et le petit Liolio, bah lui, il est toujours en mode punk rock'n'roll, un peu à la Billy Hargrove, hein, bien sûr. Billy dans mon cœur forever. Bon, allez, on va les guincher. Alors, il y a quelques petites personnes que l'on connaît sur cette piste de danse. Nous avons le beau Joseph, qui a aussi la coupe mulet, hein, mais c'est vrai que ça lui va encore plus à lui. Nous avons. Notre Geneviève aussi, hein, toujours en mode tenue rose. Nous avons, ah bah tiens, lui il est torse poil. Il y avait quelqu'un, lui là il est en slibard. Oh, quelle encombrure monsieur. Hein, je pense qu'il avait des CC et que les CC, je les ai enlevés. Du coup voilà. Et petit clin d'œil à Marie. Il est enfin là ton Sims, mais un peu trop tard quand même. Allez, c'est la fiesta. Oh oui, l'Hélène, le robot. Magnifique! C'est magnifique, mais non, mais une super fête. Bah oui, on y est déjà, cocotte. D'ailleurs, du coup, tu vas être désirable envers ton amoureux, parce que il n'y a pas de. Par chez son excitation. Florent? Florent est là? Notre père? Qui êtes aux cieux? Et en plus, c'est vrai, vu qu'il est mort. Mais Irène est là! Mais quel est le fuc? Maintenant, on a des fantômes qui viennent en boîte. Et ça, qui c'est? Mais c'est Jojo! Salut, Jojo, comment tu vas? Tu t'éclates? Bah oui, bah écoutez, elle est à fond. Eh, mais c'est Nadine qui est là! Ah, bah vraiment, les deux Saint-Paul, il n'y a que ça en fait, hein, maintenant. On peut plus faire un pas sans croiser un deux Saint-Paul dans cette partie. Et bon, madame, Caroline Bonnet, bah, elle a perdu le sien. Et puis voilà, on est bien. Et puis nous avons. Bah, elle, par contre, j'ai oublié de la relooker. On a GN qui est là. En tout cas, pour l'instant, l'Hélène, elle est contente. Elle s'éclate sur la scène. C'est chaud, l'ambiance. Mais l'Hélène, elle commence à être fatiguée. Mais l'Hélène, tu vas pas aller dormir.
À la limite, tu peux bien commander un truc à manger, je veux bien. Tu vas prendre plateau de fromage et de charcutes. Miam. C'est pas trop mignon ça? Ah bah non, c'est pas trop mignon. Si, ça y est. Ah, l'Hélène. L'Hélène et son papa. Raconter une blague sur les canards. Mais t'as vu, il y a ta sœur à côté, hein. Bon, elle t'a piqué ton mec, mais quand même, il n'y a pas photo entre les deux. Hein. C'est l'Hélène la plus belle, hein. On est d'accord, hein. Tu dragues pas Lionel, hein? Non, ça va, il a. Regardez, il a toujours un œil sur sa chérie. Ah, parce qu'il rigole, il écoute, mais il drague pas. Heureusement, parce que ce serait dommage, hein. Et le drama, on en a déjà assez eu comme ça. Mais ils en peuvent plus parce qu'il y a Florent qui est dans la boîte. Mais voilà, il fait un câlin à son gendre quand même. C'est le moindre des choses. Florent, tu viens nous hanter la nuit, alors pourquoi pas montrer qu'on se connaît déjà à travers dans la boîte de nuit, quoi. Bon, l'Hélène, ça va plus. Regardez-moi la bichette. Oh, elle est fatiguée. Bon, elle arrive à dormir quand même alors que ça guinche par là. Tu vois, vous voyez, c'est quand même incroyable. Hein. Bon, moi je dis, il est quelle heure? Il est même pas à peine 3 h du matin. Ah, oh, on a encore le temps, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une sieste? Non, on va réveiller la jolie. On va réveiller la jolie l'Hélène. Où est-ce qu'il est, ton amoureux, là, dans la foule? Il est là. Il est là, ton amoureux. Tu vas partager ton excitation. Oui, il y a Florent qui est là. On est tous heureux. Tu vas lui embrasser la joue. C'est quand même. Il y a quand même pas mal de fantômes dans cette maison, hein. Personne âgée. On sait même pas qui c'est, tellement elle est morte il y a longtemps, celle-ci. Mais Pierre-Nord! Pierre-Nord qui est là! Mais what? Il est content, il voit Florent, il n'en peut plus. C'est vrai que Florent, c'est les 3 étoiles quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais sur les 5. Alors, non, 6 fantômes, j'ai Joséphine, Pierre-Nord, Florent, Irène. Et ça, c'est qui? Rosa Lopez. Voilà, donc on a quand même 4 sur 6 des fantômes qui sont de notre famille. On va y arriver, quoi. Allez, ça vous dirait pas de faire un petit crac-crac dans le placard devant tout le monde, hein, pour montrer que l'amour est là. Vous êtes qui, monsieur, là? On veut pas vous parler. En plus, vous êtes flippant, vous êtes à moitié nu. Regardez-moi ça. Même pas l'abri des regards. Alors, les enfants, vous vous y mettez ou vous vous y mettez pas? Ok, bon, bah, fait crac-crac avec Hélène, alors. Je sais pas, ils ont l'air d'être buggés, les enfants. Oui, ils sont buggés. Ah non! Oh là là! Oh là là! C'était juste une battle de regard et d'un seul coup, graou, graou! Oh, ça chauffe! Qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils vont regarder, ils vont glousser, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ah si si! Voilà, il y en a, ils sont encore excités parce qu'il y a Florent qui est là. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont excités parce que Florent est là. Mais j'ai vu quelqu'un qui pensait à Hélène et disait, oh là là, mon Dieu, mais elle fait crac-crac dans le placard! Mais! Elle est folle! Quelle coquine! Oh, par contre, Joséphine, t'as pris du cul, mais bonjour, quoi, c'est affolant. Ah, bah ça a l'air de plaire à monsieur Parata. Non, 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 on n'a rien fait. Non. Oh! Joseph qui les grille, mais non! Et on salue, c'était bien l'heure à l'intérieur et tout. Oh là là, mais toi, tu vas pas. Non, non, mais viens pas dormir, tu vas quand même faire un petit coucou à notre petit Joseph d'amour. Et parler de la pluie, voilà, genre, ouais, il y a bien pluie. Et lui, là, il est flippant! Regardez-moi ça, en plus, il est mal gaulé. Quelle horreur. Bon, allez, un petit bisou à toute la familia. Mais Jeanne, tu fais quoi, là? Pourquoi tu te colles, là? Ok, très bien. Bon, allez, il va être 5 h du matin, il va être temps de rentrer, quand même. Ah oui, d'accord, on rentre chez nous, et c'est qu'à ce moment-là que la nounou est censée arriver. Les enfants... Vous allez me remettre ça au lit, hein? Voilà, petit crac-crac est enfin disponible, donc on en profite. Pendant qu'Anaïs est en train d'hurler à la mort parce que notre nounou s'était barré. Voilà, il va s'occuper d'elle. Et toi, biche, bon, elle va manger. Oh, mais nounou, mes fesses, quoi, regardez, ils sont pires que les majordomes, hein? Tu vas t'occuper bien de mes enfants, hein? On te paye pour quelque chose, hein? Bon. Parce que la pauvre, là, elle meurt de faim, elle va se pisser dessus. Et les gamines, là? Eva, Esther. Non, non, non. Oh, bah oui, bah si, parce qu'elles ont que ça à faire, en fait. Elles ont déjà dormi et tout ça. Il est même pas 6 h du mat. Ok, très bien. Et eh ben, c'est cool. Ils en sont où, nos tourtereaux? Et ils arrivent seulement à leur lit. Ah, magnifique, Hélène. Tu es superbe.
Voilà, on enlève le maquillage, on se met le petit pyjama d'amour et on se fait un gros câlin sous la couette. Ah, et voilà, je vais vous laisser ici pour cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Voilà une petite sortie en boîte, première fois depuis qu'on est dans le Décat, donc ça faisait longtemps. Et c'était cool quand même, on a vu des fantômes, on a vu des stars, mais bon, les trois quarts c'était notre famille, mais bon, c'était sympa quand même. Donc, je vous fais des très très gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Regardez une petite pub sur YouTube. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite du Decade Challenge. Des gros bisous. Ciao! Ah bah, c'était le pied.